La voiture commence à faire des coups. On est à 2,5 bars. Qu'est-ce que... On va essayer d'aller à CX pour louer une voiture. Avec la location de la voiture et tout ça, on était en retard. C'était compliqué, mais finalement, on a réussi à arriver. 3h, on est là, c'est déjà plus. Moi, je pense qu'à ma voiture. Brandon, depuis une demi-heure, il est en train de chronométrer chaque bien qu'il prend. Avec la voiture là qui a un peu du mal avec ses pneus, on va essayer de s'arrêter à la prochaine station. Espérons que c'est rien de grave et qu'on pourra repartir. Comment tu te sens, bien dormi? Non, c'est couché à 3h du matin. Mmh. Je suis KO. Ça pique de ouf. C'est la technique. Là, on a Emma juste là. On va se réveiller. On va faire la route, mettre des petits extraits. Ouais, j'ai tout quoi. On se retrouve à Valogne. La voiture commence à faire des coups. On s'est arrêté à la première station essence, on est en train de vérifier les pneus. On pense que c'est parce que les pneus étaient surgonflés, mais on n'est pas sûr. Allons-nous arriver à bout? Quelle est la question? On va voir comment tu fais. Alors c'est très simple, pour gonfler les pneus. On retire le petit bouchon, on ne perd pas, c'est très important. On l'enfonce au maximum. Et sur les Renault, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir sur la porte la pression qu'il faut avoir. Normalement, pour les pneus arrière, il faut 2,1 bar. On va les vérifier. On est à 2,5 bar. Qu'est-ce c'est que... beaucoup trop. On va réduire un peu. J'espère que c'est à cause de ça. C'est long galère. Je perds un peu, non? Ok, c'est bon. On en laisse un peu pour avoir une petite marge. Et voilà comment ça se passe chez les obstacles. Toujours des péripéties. Pas que des bonnes nouvelles. Fais partie de la vie. On va essayer de reprendre la route, on va voir ce que ça donne. Donc là on est parti à Euromaster pour demander des conseils sur la voiture, pour savoir si... quels pourraient être les potentiels problèmes. Bon apparemment c'est mieux de passer à Renault directement pour voir quel souci. Comme nous on n'a pas le temps, on va essayer d'aller à CX pour louer une voiture et on va partir. Voilà, c'est les petites péripéties. Alors, pensez quoi du nouveau véhicule? Il est mieux, il est plus espacé. Je pourrais préférer, je préfère mon véhicule. Stagiaire, tu vas m'entendre. Ah, c'est du métier, hein, c'est le stage. Ouais, mais. Au moins, on peut repartir, c'est déjà ça. On va faire la route et let's go. Donc là, vous pouvez voir, je suis bien fatigué. Après toutes les péripéties, on va arriver juste à l'heure. On a pu avoir le dernier véhicule disponible, sûrement que la jolie. Eux, ils sont de bonne humeur. Alors c'est bien les voyages à Garot Riders. Ouais, les feux qui rigolent. Les feux qui rigolent, ça commence bien. Feux qui rigolent. Ils sont aventure. Ils freinent d'un coup là. Ouais, Brandon il contrôle pas le... C'est un menteur. Oh, c'est pas moi qui a dit, c'est lui qui a dit ça. Hein. Tu te régleras avec Flavien, tu vois. Y'a pas de preuve vidéo, donc... C'est que spéculation. Ouais. Voilà, c'est ça de votre rémunération, on vous paye en t-shirt. J'attends la nourriture. La nourriture? Ah, t-shirt de nourriture, ça fait beaucoup. Coûtait cher, madame. Là, on vient d'arriver à Valogne. On a réussi à se garer avec la location de la voiture et tout ça. On était en retard, c'était compliqué, mais finalement, on a réussi à arriver pile à l'heure. Donc là, vu que l'initiation est censée commencer à 14h, on va démarrer directement l'initiation. Et je vais essayer de voir si je peux pas commander un truc sur Uber Eats histoire qu'on puisse manger. Voilà. On est en place. Là, il va pouvoir mettre son t-shirt Trap Styler. J'espère qu'il a ta taille par contre. C'est pas Trap Styler. Pas corporé. Si tu veux, voilà. J'en ai ramené en double parce que je te faisais pas confiance. Je lui fais jamais confiance. J'en ai ramené en double. Voilà. Ouais, il va bien. C'est hein. Et on est paré. On est prêt. On va lancer l'initiation. On va aller chercher Uber Eats. Bravo Yann. C'est super ça Yann. Bon, là c'est la fin de notre session. Malheureusement, j'ai pas pu filmer le show. C'est déjà fini. On s'amusait trop.
Ça fait 3 heures on est là, c'est genre, ça fait une... Moi je pense qu'à ma voiture. Moi je pense qu'à manger. Ouais, là on va essayer d'aller sur Caen, se trouver un petit buffet à volonté. Bah c'est sur la route. Mais en vrai c'est vrai qu'il a un air de Valsan. Bon, comme on reconnaît le frère de Valsan, on sait que c'est pas lui. Faut acheter le t-shirt sur le site. J'ai déjà vu le frère de Valsan. Voilà. Le t-shirt il est bien. Shop par Rocksteiners. Voilà, partenariat. D'ailleurs c'est cadeau, il est à toi. Ah ouais, bah oui. Ah, je vais bien le garder alors. En plus j'ai le premier là que tu m'avais donné. En vélo. L'ancien encore ? T'as 10 ans ouais. Mais c'est pour ça que j'ai calculé. Ouais. Parce que sinon... Ouais, parce qu'elle avait acheté un t-shirt qui a vraiment pas quand elle était tout jeune. Enfin arrivé à Caen, grâce à notre fidèle acolyte. Dans les rues de Caen. Avec Jeep, gars sûr. T'as fait une rayure là. C'est faux. Si. Non. Tu vas devoir payer la caution. Je mettrai ton nom. Dire c'est Emma qui a fait. Donc du coup Emma l'a tranché, elle a décidé qu'on mangerait à volonté. Ouais. Du coup on va aller au sans gêne. C'est ça. Parce qu'elle est comme ça, elle est sans gêne. Exactement. Et puis mon bidon il sera sans gêne. De toute façon, c'est à volonté, donc il n'y a pas de souci. Jeff, c'est trop un escroc. Il est là, il est en train de juger Emma. Il dit je la juge pas parce que je lui dis en face. Et qu'il lui dise en face ou pas, il la juge quand même. Ah, t'as vu, là, il rattrape encore. T'as vu, il te met de la pommade. Mais n'oublie pas qu'il a dit que ouais, il te voyait bien. Exactement. J'ai un souvenir. T'as remercié, c'était super. En plus, il y a un nid d'oiseau, c'est trop stylé. En fait, elle voulait que tu prennes la sangria pour que tu aides. Elle voulait que je prenne la sangria pour que je t'aide. Non, mais après, sinon, hein? Elle va pas boire de malade. Mais de toute façon, tu vas payer la sangria, non? Bah, moi, je sais pas, si que la proposition c'était gratuit. Oh, ouais, c'est pas gratuit. C'est ça, ça. Ouais, c'est ça qu'il a dit, non? Il a dit cocktail de, bienvenue, il a pas dit cocktail de bienvenue gratuit. C'est pas. Oui, c'est le verre de bienvenue, mais la bienvenue, tu la payes. Ouais, c'est bon. T'es bienvenue. Ouais, mais ça j'avais compris, mais toi, je me suis dit, est-ce que... En tout cas, on attend juste le verre, après on va aller parce qu'on a un peu cuit. Vas-y. On va décimer tout ça là. Peux-tu répéter? Ah, vas-y. Moi je suis pas. Je vais prendre du bon jus de pomme. Ouais, ah, du bon jus de pomme. Ouais. Du bon jus de raisin aussi. Là, on est dans un resto de buffet à volonté avec Fabien. Je vais lui laisser vous expliquer le concept du resto. Tu as une brochette là, avec un nom d'animal. Ouais. Et ce nom là, c'est ta brochette. Ah. Ensuite, okay. Là-bas, tu vas chercher tes viandes. Faut vous montrer parce qu'il y a des saucisses, tout ça, pour faire cuire des trucs comme ça là. Et ensuite, tu donnes au mec qui a des cuistots là au milieu. Ils font chauffer le machin au four. Et dès que c'est prêt, ils gueulent le nom de l'animal qu'il y a marqué sur la brochette. Et tu viens le chercher. Et Brandon, depuis une demi-heure, il est en train de chronométrer chaque viande qu'il prend. Ça combien de temps là, le poulet? Ça fait 5 minutes 7 pour le poulet. 5 minutes pour le poulet. Alors que pour ces saucisses, ça a été 3 minutes 7. Donc le plus rentable pour manger beaucoup et rapidement avant d'être calé, c'est prendre des saucisses. D'ailleurs, piment d'espelette, c'est très bon. Mais saucisses à moutarde, c'est incroyable. Tu veux du fromage? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit le cochon est dessus. Mais tout ce que j'ai entendu, je vais préférer le cochon. On va préférer le cochon et halal. C'est cool, mais... Mais ce serait facile. Con sentire reparto, non guardo mi contatto, però se la salto, tanta visa.